Il y a plein de gens avec du EV7 et même qui ont déjà open, ont fait du box break sur un site d'enchères. Ouais, nous on l'a bientôt là, c'est juste, voilà. D'ailleurs, on va parler d'un petit truc après, les gars, il y aura un petit changement en termes de... En termes de fonctionnement. Je joue en toute transparence avec vous, hein, comme ça au moins... Oh, Clarabelle en gold, comme ça au moins vous aurez toutes les infos et vous comprendrez le pourquoi du comment, et voilà. Je pense vraiment que c'est la moins bonne box à ouvrir de tous les clubs anglais qui existent, malheureusement. 25 balles, Clarabelle ? Ah ouais ! Oh là là, le prince... Mais let's go ! Mais c'est quoi ça ? Regarde ça, là, le bougre, Jex. C'est la meilleure légendaire, Clarabelle ? Ok. Putain, c'est vraiment, vraiment que sur le côté jouabilité, hein. Parce qu'en termes de beauté... Plein de gens me disaient, oui, pendant le chapitre 5, il y aura match chapitre 1. Bon, j'ai pas forcément vu personnellement. Donc non, moi j'ai le chapitre 3, 4, 5 disponible. Et Camillo Madrigal en foil, ma frérot. Je crois que c'est les meilleurs 5 boosters que j'ai ouverts. Hein. Vraiment, let's go. Magnifique. Il a braqué la display. Ursa King et Felicanis X. Heureusement que j'y ai pensé, ça a fait pop un hit. C'est vrai qu'à saucisse, sans toi, peut-être ce hit ne serait jamais arrivé, cette ténacité de Nikolai. Mais on aimerait quand même un petit peu plus. Les X, c'est sympa, mais il n'y en a pas non plus 14 dans la collection. Voilà, exactement. Ça, c'est le genre de hit qu'on aimerait. Des AR, des alternates si possible, des gold, pourquoi pas. Donc voilà, on s'est fait des petites musiques pour ceux qui achètent dans la boutique. La base est simple, hein. C'est est-ce que tu vas avoir de la chance. Et derrière, on a les musiques de résumé, bien sûr, de ça. Oui ou non, tu as eu de la chance ou pas. Oh là là, Favianos, allez, deuxième AR, une full art. Ça commence à sentir bon, ce opening, moi, je trouve, quand même. Hein. Quelle série? Nous sommes sur Fable Nébuleuse, Rafi. C'est Fable Nébuleuse, c'est la dernière sortie qui est... Oh là 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 là, Terraclop, frérot, 3 AR différentes. Oh là 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 là, eh, ça commence à sentir bon, cette histoire. Hein. Allez, code noir sur point de fusion. Ah, mais point de fusion, on avait pas d'histoire de code. Allez, point de fusion, attention. Là, on arrive sur une collection où déjà, tu peux faire un hit qui te rembourse ton coffret. Hein. Donc voilà, là on va commencer à parler un peu. Hein. Là les dernières collections, il n'y a que des hits qui peuvent éventuellement rembourser ton coffret. Hein. Bleuzeil, Sablero, Escargome. Oh dommage. Ectoplasma VMAX, mais là simple, mais ça reste cool. Allez, Star Étincelant, dernier booster. Retour Dracofeu. Melodelph. Mais arrête. Frérot, je me souvenais même pas qu'il y avait... je me souvenais même pas de ça. Oh, elle est magnifique. Elector de Galar. Alors. Voilà. Donc, sûrement le Dracofeu sera gradé, mais on peut à tout moment avoir une carte bien plus intéressante. Limonde. Lac Savoir. Oh, putain de merde. Origine perdue. On a donc... éventuellement Ptera ou éventuellement Giratina. Imagine. Imagine. 3, 2, 1. Ah, pourquoi je l'ai pas ouvert, sa mère? Oh, let's go. Et pour moi, on est presque sur un OC, hein. Éventuellement, hein. Oh là 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 là. Deuxième star étincelante. Code noir, allez, pourquoi pas. Oh. Oh, frère. Ah, elle est belle, celle-là, elle est jolie. Noctali VMAX TG avec son GG avec son dresseur. Elle est magnifique. Et derrière, une holographique du recherche professorale. Oh là 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 là, quelle dinguerie. Si ça part bien ce soir, peut-être que je pourrais recommander, on verra, tu vois. Mais voilà, c'est la première vague. Tampon injuste, ici, Yuyu et Momartic. Comme je t'avais dit. Igualta en carte AR. Nanananana. Amo Vénus en carte AR, ça on apprécie. Les cartes AR qui sont vraiment pas faciles à drop, hein. Elles ont une certaine cote surtout aussi. C'est assez intéressant. Allez. Épine de fer en carte full art. Non, et du coup, ouais, alors beaucoup de gens se disent, ah, mais pourquoi tu vends tout et tout, c'est dommage. Alors, enfin, ça fait partie un petit peu du monde de Pokémon, surtout quand tu te lances, en fait, dans ton entreprise. Dernier booster, oh, peut...
Tétra. Bon, ça va, ça reste sympa. Masque de la pierre en carte full art. Ça reste sympa. Non, là, c'est bon. Le ratio est très très beau. Elle est magnifique. Elle est magnifique, la carte. Et sur 25, en carte rookie, Mika Hamilton. C'est plutôt pas mal, hein. Mika Hamilton rookie sur 25, c'est très très bon, hein. Soit une carte patch. Et du coup, ça c'est le booster du 8. Ils sont toujours plus épais. Pour la simple et bonne raison que les patchs sont plus épais. Et si jamais il n'y a pas de patch, ils mettent cette carte là pour ne pas spoiler les gens. Et derrière, tu as récupéré Jérémy Doku signature. Malheureusement pas numéroté, mais Doku signé, ça reste assez cool. Joueur qui fait pas mal parler de lui. Il m'a demandé une gold, je vous rappelle. Là quoi là? Oh, le miscut, t'as vu? Et hippotrempe. Bah franchement, beau tripack. Pas gagné. Terraclope AR, nice one. Jean Hubert. Ulf. Mickey Mouse. Nala. La fête de Ratigan. Bataille de nourriture. Vaiana. Derrière Vaiana, nous avons... légendaire. Oh, la Mufasa, magnifique. Avec les petits effets. Et ben voilà. Et ben voilà, un booster qui valait la peine. Palkia. Oh, oh. Secrète. Wouah, la Noctalie qui tombe. Ça fait partie des hits cool quand même, je crois. Noirfang, Lucanon. Et full art de Megavolt ici. Let's go. Littorel. Oh 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 oh, j'ai l'impression. Waouh, wow, le carapuce, hein. Flamajou, Terra Cruel, Malamandre, et le... Oh, pire au but, Terra Cristallisé, non, Lunaire Stellaire. Laisse ton bail, Electek. Waouh. Monsieur, je te présente Terrapagos Alternate. Quelle dinguerie! Rampel, Nounourson. Démo, wow, elle est si belle, je ne l'y avais jamais packé, je crois. Ou peut-être une fois, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est jolie!